Hello les gars, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour le grand rangement de ma chambre pour la 15e fois sur cette chaîne YouTube. Honnêtement, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait se poser de manière chill pendant une heure et j'allais ranger de fond en comble ma chambre, plus ou moins comme je souhaitais. En tout cas, j'espère un petit peu vous motiver à aussi le faire potentiellement et que vous avez passé une bonne vidéo. Let's go! Hello, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Bienvenue actuellement pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo rangement de ma chambre parce que là c'est absolument le bordel. Vous savez pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'il y a du soleil dehors, que je suis du coup de bonne humeur. Je suis trop hypée à l'idée de pouvoir ranger ma petite chambre avec vous en ma compagnie. J'espère que vous aussi vous allez être content de me voir ranger ma petite chambre. On va faire à la fois le bureau, parce que c'est encore le bordel, le lit qui est plus ou moins fait, on va dire, ainsi qu'aussi le dressing et la mezzanine. On va faire ça pendant une petite heure ensemble. Donc ça va être un rangement plutôt rapide, mais du coup pour vous sous forme de vidéo ça va durer quand même pas mal de temps. Je me donne jusqu'à à peu près, je sais pas, genre 17h, quelque chose comme ça. Et comme ça vous verrez l'évolution du soleil qui est en train de se coucher. Avant là il est 4h, donc j'allais grignoter. Et comme d'habitude, genre il y a une semaine et demie, j'étais littéralement en train de faire la même vidéo rangement de mon bureau, c'est encore le bazar. J'étais habillée pareil, vraiment genre ce petit haut que on m'a demandé où est-ce que je l'ai acheté, il vient de chez Morgan, je suis trop contente, je le trouve trop beau. J'ai vu aussi ça. Mais bon, avant, c'est parti. Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, déjà je suis encore en train de bouffer du chocolat. Celui-ci il a la poire. Vraiment très très bon. T'en veux? Ok. Bon bref, je finis de manger mon chocolat. Faut que je fasse voir l'état des lieux parce que c'est n'importe quoi. Je comprends pas. Je peux pas comprendre. Il y a le soleil là, je vois rien. Mais bon, on va faire l'état des lieux de la chambre. Non. Alors déjà, pour ce qui en est un peu de ma chambre, ici nous avons la mezzanine, on va monter tout à l'heure. Là on a moi qui mange du chocolat. Et si on s'attachait les cheveux? Bref, me revoilà actuellement avec les cheveux attachés. Désolée, mais là ça va pas du tout. Au niveau de ma gueule, genre je me suis même pas vue avant de commencer la vidéo. Et à cause du froid, vous voyez, t'as genre un peu, pas de la morve, mais t'as un résidu autour du nez. Bah je l'ai vite enlevé et je vois quoi? En plein milieu de mon nez et de mes yeux, j'ai un micro-poil de mono-sourcil. Il faut que je l'arrache, hein. Je vais aller l'arracher parce que là, ça va pas le faire. Je suis énervée. Bref, on se retrouve dans ma chambre, c'est bon, tout va bien, j'ai pu enlever. Alors, on va commencer par l'état des lieux, ça fait pas beau, enfin c'est pas beau à voir, je suis désolée. Il y a une semaine, je rangeais ma chambre, t'allais bien, elle est 5 ans le bazar, et même Gandhi, là, il est au bout de sa vie. Enfin, en grand angle, donc ça sera en grand angle. Dites-moi si vous préférez en petit angle ou en grand angle, parce que lors de ma dernière vidéo, vous avez été trop gentil, trop aimé ma vidéo qui durait genre une heure, mais bon, je me suis pris les droits d'auteur, donc la monétisation, normalement, elle est censée revenir parce que j'ai cuté les extraits, donc bah désolée, c'est du 1 heure, mais 59 minutes, j'ai pas eu le choix. Vous étiez trop sympa à me dire, ouais, trop bien ta vidéo dans les commentaires. Mais le truc que j'ai à vous reprocher, parce que moi je fais des reproches, vous ne répondiez pas forcément trop à ce que je disais dans la vidéo. C'était juste trop bien ta vidéo, mais en mode j'ai bien aimé cet extrait, j'ai bien aimé ce que t'as dit, j'ai pas aimé, tu vois. Donc bah n'hésitez pas, ça me fait plaisir. Alors du coup, ici nous avons mon coin Apple. Je pense que vous le connaissez, vous savez très bien ce que c'est. Mon coin Apple. Nous avons donc les trucs d'iPhone 14 Pro Max, on a le Apple Pencil, mon iPad, mon iPhone 5S. À savoir qu'ils sont tous en vente. Tous mes produits Apple sont en vente sauf ça et ça, mais sinon tous les anciens téléphones, les iPhone 10 et tout est en vente, j'ai toujours dit sur Insta, venez me suivre sinon je vous mange tout cru. Un petit stickers papillon que j'ai mis il y a grave longtemps, la température de ma chambre, là voilà, c'est encore une fois le bazar comme d'habitude. Ici c'est où il y a un peu tous mes bijoux, donc on a plein de boucles d'oreilles, on a à la fois ça, mon calendrier de l'avant qui date, des masques genre. J'ai un masque à la cerise, masque à lèvres, c'est incroyable. J'ai aussi une des éponges à la pastèque, c'est trop, faudrait trop que je fasse des skincare et tout, j'ai plus parlé des skincare. Ici on a mon plushy là, mon squishy, mon gangant, trop fan, poubelle. Donc là c'est mon bureau, vous allez me dire Charline t'abuses, oui je sais que j'ai rangé ma chambre en vidéo il y a une semaine et demie, j'ai dû ranger ma chambre il y a deux jours, encore le bazar. Sauf que là c'est encore mieux, t'as des trucs de vernis à ongles, tous mes postcards que ma mamie elle m'a acheté que je vous ai fait voir dans le vlog dernier, un truc, ça c'est ma tati qui m'y a ramené de la Guadeloupe, s'il y en a qui savent ce que c'est, je pense que ça va être une sorte un peu pas décor séché mais un truc séché ça c'est sûr, pourquoi pas écouter. Mon mascara, mon maquillage, le matin, on a encore ma petite maison comme d'habitude, là ça a pas trop changé, donc jusque là ça va, là c'est encore une fois le bazar.
pourquoi il y a ça comme bazar. I don't know. Là, voilà, là, je me suis dit, Charline, ça va pas le faire. Genre, à quel moment dans ta vie, autant de cahiers, mais pas rangés et en bordel, tombés par terre? Pourquoi faire? Je ne comprends pas. Donc, faut qu'on remédie à ça parce que ça me désole au plus haut point. Après, s'il y en a de mon lit, dites-moi si mon lit ça va. Mais en vrai, mon lit, ça va. Enfin, je trouve qu'on a connu pire. Quel est le dressing? Parce que le dressing, en vrai, pour le dressing, ça va. Il y a pire. Je fais que de dire ça pour me rassurer. Juste les pyjamas en bas, c'est pas fou. C'est pas fou. Après, nous avons la mezzanine. Donc, pour ce qui est de la mezzanine, on monte l'échelle. Viens, voilà. De toute façon, ma mezzanine, vous la connaissez de ouf, hein, ceux qui regardent mes vidéos depuis longtemps. Donc là, on a la vue de haut de ma mezzanine avec Gangan. J'aime bien. On va ouvrir le petit miroir. Et voilà. Bon, oh, il fait super froid. Pourquoi t'es là, toi? Désolée si la luminosité est pas très ouf ici, mais c'est un peu compliqué. Donc c'est peut-être un peu plus pixel en grand angle comme ça. Et voilà, donc le bordel sur le bureau. Ma lampe de bureau, elle date. Ici, nous avons donc mon trophée YouTube, le deuxième, et censé arriver bientôt. Donc ouais, faut un petit peu ranger ça. Surtout que j'ai encore un coin Apple là-bas. Enfin bref, j'en ai marre. Allez Gangan, il va falloir commencer à se motiver. J'ai aucune motivation. Oui. Gangan. Si, t'es trop beau. T'aime trop. Le premier qui me dit, ouais Charline, tu filmes une vidéo juste parce qu'il y a du soleil. Bah bien sûr que oui, la réponse est oui. Mais cours d'histoire géographie, nous n'avons rien à faire ici, donc on va très vite y ranger. Sinon, je voulais trop qu'on parle d'un... Tout à l'heure, j'étais donc en cours, logique. Mais je me suis dit, Charline, pour te trouver belle aujourd'hui, que les autres te trouvent belle, et bah il faut que toi-même tu te trouves belle. Donc, je me suis forcée à me dire, Charline, t'es belle. Enfin, là, ça va pas trop tout sur ma tête, mais bon, on fait avec. Donc, il faut, franchement, le conseil c'est... forcez-vous à vous trouver beau parce que généralement dans la société on a tendance à se dire qu'on est inférieur aux autres. Donc si tu dis que tu es supérieur aux autres, et bah quand t'additionnes deux ça fait la moyenne. Donc tout va bien tu vois, c'est big brain et je me dis que mais punaise je suis trop intelligente pour ça. Sinon aussi qu'est-ce qu'il y a d'autre de plus? J'ai commencé les podcasts, du moins j'ai commencé toutes mes idées de podcasts, donc c'est censé arriver bientôt ou du moins un jour ou l'autre. Ça m'a trop fumé quand j'étais au lycée, il y a une dame qui est d'entretien qui m'a grave saucée, elle m'a dit ouais enfin elle m'a pas dit ouais Charline parce qu'elle sait pas qui je suis. Elle m'a dit comme quoi elle aimait trop ma veste et elle m'a demandé où est-ce que je l'ai acheté. Donc je lui ai dit et tout. Elle m'a demandé si elle existait en noir. Bon, dans la panique, j'ai répondu que oui. Mais je pense pas que ça existe en noir. Mais écoutez, on m'a saucé dès le matin, là. Enfin, dès le midi. J'ai bien aimé. Allez, hop, on va devoir mettre tous mes petits Posca ici. Parce que maintenant, j'en ai une grande rangée des Posca. Donc ne paniquez pas s'il y en a beaucoup. C'est normal. Avant, je me faisais vraiment tout mettre, genre ici un peu les crayons gras, ici les Posca. Bah maintenant on va tous les jeter hein. Surtout que j'en ai 2-3 qui ne fonctionnent plus trop, donc je suis dégoûtée. C'est pas grave, c'est la vie. Je les ai grave utilisés l'autre jour quand je faisais une expérience avec une peluche extrait. Je chante pour les copyrights, pour garder ma YouTube money, parce que je le mérite cordialement, blablabla, j'adore chanter, blablabla. Sauf que vu que je suis pas très intelligente, la peluche elle est encore mouillée, donc je pense que je vais devoir la jeter à la poubelle, ça me fait trop mal au cœur. Mais j'étais énervée, ok. Normalement c'est bon, aujourd'hui c'était la grève, je suis dégoûtée, il y en a plein genre qui avaient pas cours du tout. Mais quand je te dis genre ils avaient pas cours, bah par exemple Léon n'avait pas cours, tous ses profs étaient absents. Sauf devinez qui, et ben moi j'avais tous mes cours. Je me plains mais il y en a cet après-midi, ils avaient genre 4 heures de maths d'affilée. Moi j'ai pas pris la SP maths plus l'option maths experte parce que bah, sinon je ne serais plus de ce monde. Donc franchement il y en a, vous êtes un peu des sadomaso, enfin pas déconner. Faut pas se plaindre après. Et hop là. Donc oui, j'avais art plastique cet après-midi, j'ai clairement rien foutu aujourd'hui. Gangan, t'es tout sale aux yeux. Genre, j'avais 2 heures de philo, c'était pas... Enfin, c'était nul. Hein. Faut dire ce qu'il y en a, c'était pas fou, j'ai pas aimé. 1 heure d'histoire, rien pendant 2h30, c'était super long, plus Dieu. Et ensuite, là, j'ai pris avec 2 heures d'art plastique où j'ai rien foutu. Enfin, si, j'ai quand même un peu bossé pour avancer mon projet pour le bac. Car oui, maintenant, on parle du bac, Shine. Du bac, du baccalauréat, pas du bac à sable, non, du bac. Donc, c'est une ambiance étrange, tu vois. Genre l'ambiance elle est plus pareille qu'avant, c'est plus en mode sérieux, en mode concret qu'avant où c'était des petits trucs dans... Non, non, là maintenant c'est le vrai bac, les euros blancs là, les trucs blancs, c'est fini. J'aurais juste un oral blanc en art plastique à la rentrée, un oral en anglais, et c'est voilà. J'ai pas trop envie. Est-ce que ça se voit que je me suis défoulée sur ce carnet? Je pense que oui. Surtout que je l'ai acheté en rose, mais je comprends pas, il est violet. Bah oui, c'est pas le même. T'aimes bien, j'ai fait ta meilleure vie, hein. C'est beau. Tu me sens? Je te trouve trop beau. Sachez que j'ai le meilleur chat du monde, voilà, toute impartialité. Alors, le gua sha, j'en parle tout le temps. Ma mère a acheté du gua sha, mais pas le gua sha pour le visage, le gua sha pour elle, on va dire ça comme ça. Je sais pas du tout si c'est un nom, mais c'est genre le gua sha version XXL. Donc, soit je l'ai influencé sans le savoir, soit elle a acheté ça parce qu'elle s'est dit, eh, c'est beau, c'est bien.
Voilà. Alors ça, on va y mettre là. Bon, ces petits trucs, je vais y ranger. Parce que là, du coup, c'est l'astuce. Ranger sa chambre rapidement. Le petit sac Chanel, on valide. Parce que là, je me donne une heure pour ranger ma chambre en vidéo. Techniquement parlant, ça va être rapide. À l'intérieur, ici, on a les biscuits avec ainsi que mes petites sucettes à mon effigie. Ça me fume de rire. Genre, vraiment, j'ai des trucs à mon effigie. Waouh. Ces petites bougies, elles sont extrêmement bonnes. C'est les petites bougies que j'ai eues pour Noël. Est-ce que vous pensez que c'est enfin le moment pour retourner ça? Parce qu'il y a un pot de lavoir. Oh. Ah, mais j'avais déjà retourné une première fois. Mais écoutez, on va le re-retourner. Et hop, les... Ah non, il y a du blanc. Ah, c'est pas la première fois que je retourne. Bon, au moins, ça me fait un nouveau trou de couleur. Normalement, au niveau du bureau, on est plutôt pas mal. Oui, Gand, on est plutôt pas mal. J'espère que... Oh non, mais c'est une blague. J'ai des miettes de biscuits qui sont ici. C'est bien. Oh, j'ai pété un kit. Vous voyez ça? Ça, c'est quoi? Je veux faire la meuf qui range sa chambre en une heure et tout. Mais genre toute sa chambre. Là, ni connu comme d'habitude, on se sait, on se connaît. Voilà, là on a une petite vue d'ensemble de mon petit bureau. Malheureusement, je suis obligée de laisser cette lampe de bureau ici, puisque sinon ça fonctionne pas. Elle ne s'allume plus, je suis un peu en panique, j'ai envie de pleurer. Non, je pense que ça doit... Ah mais oui, ouf. J'ai eu peur. Non, en fait, c'est juste que l'embout s'était désembouté, ça veut dire. Et voilà, donc ici, sinon on a mes petits feutres, donc ça j'aime bien. La petite peinture, ça on valide. Ici on a mes Posca, comme vous avez mes peintures. Avec Shine Cheries à mon effigie. Ma petite photo de profil, c'est le coffre à foufon qui m'avait envoyé. Bye. Vraiment, tout vient de chez eux. Ma vie vient de cette boutique. Mes copies pour les cours. Bon, malheureusement, je n'ai plus de copies simples, copies doubles comme ça, pardon. Ça, je n'en ai plus. Les fiches Bristol, je m'en sers absolument plus du tout. Vraiment, je fais plus du tout de fiches de révision. Enfin, je m'en super rare, hors quand je passe à l'oral. Maintenant, on va s'attaquer à cet endroit. Donc, pour ceux qui savent pas ce que c'est, cet endroit, c'est tout simplement le lieu et l'endroit où il y a mes petits bijoux le matin. Ma rangée de merde. Merci Andy. Merci Andy, c'est grave la vie. Enfin, j'adore. Ça, vous savez très bien ce que c'est. Dites-moi en commentaire ce que c'est parce que vous savez. Tadam! Un gros miroir qui grossit. Je me suis pas encore servi, mais c'est clairement un achat utile. Enfin, je suis désolée. Mais évidemment, il faut dire ce qu'il y en a. Quand on a des achats aussi utiles, ma petite montre. Ma montre, je vais la mettre parce que sinon après, je la paume. Le Kadum déodorant parce que ma mère elle m'a acheté un déodorant parce que franchement ça doit faire pitié pendant 5 ans limite j'ai eu le même déodorant la meuf vraiment pas folle nickel mes bagues ça va ici après est-ce qu'il y en a des boucles d'oreilles j'en ai vraiment 30 fois trop c'est abusé en même temps je comprends pas comment je peux avoir autant de choses dans cette baraque c'est pas humain d'accumuler autant de bazar ça c'est une abonnée qui me l'a fait mais je suis tellement reconnaissante d'avoir des abonnés qui ont des talents qui me font des petites créations rien pour moi genre merci infiniment vous me faites trop chaud au cœur. Petit cœur en plus, ça c'est ce que j'ai dans mon carnet de l'avant de la marque Merci. Merci Andy, c'est. Merci Andy, aucun rapport. De la marque Moi c'est une marque que j'aime pas au niveau des bijoux chaque année. Et j'aime bien leur petite nouveauté. Ça c'est enlevé. Petite bague. Oh non! Oh mon angoisse, dites-moi que je suis pas la seule. Mon angoisse quand t'es. Bon, déni, on a dit aujourd'hui. Déni, efficacité, on va faire comme ça n'existe pas. Et hop là, petit déni. Ça aussi, c'est un peu comme le bois chat, c'est pour se détendre ici. Oh. Ah ouais, ça marche bien, j'aime bien. Bref, au moins j'ai un peu rangé. On va mettre les petits crunchies ici. Ça apporte un peu de vie à cet endroit. Donc là, j'ai un petit rangé comme ceci. Est-ce que ça me va bien les queues de cheval? On va dire que oui. Je sais pas du tout. Oh, ce lieu, c'est n'importe quoi. Quand je vous dis que ce lieu, c'est n'importe quoi, c'est vraiment genre que c'est n'importe quoi. Ça, c'est ce que ma grand-mère m'a acheté, que vous avez fait voir dans la dernière vidéo YouTube. Je suis trop contente d'avoir ça, mais il faudrait peut-être que je dessine, parce que bah si je dessine pas, ça va pas être rentabilisé. Mais bon, ici, c'est le lieu, pour ceux qui ne savent pas, où je range absolument tout ce qui est mes cours. Regardez la gueule de mon cahier d'AMC, tellement qu'il est épais. De toute façon, je le change pendant les vacances, parce que bah, j'ai plus de place, en fait. Donc, l'endroit ici où je mets mes cahiers, ainsi que mes manuels, mes livres et tout ce genre de choses. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais ranger parce que moi, je suis en vacances vendredi. Donc, qui dit vendredi dit en vacances. J'ai beaucoup trop hâte. Parce que je suis en zone A, donc à la mer zone A. Je vais les mettre à la poubelle. Nous avons cette petite veste, à chaque fois on me saute dessus, on a fait trop beau, mais je sais que c'est. Regardez-moi comme elle est trop belle, genre on dirait grave que je suis une madame comme ça, enfin incroyable. Et bon, on va aller la ranger quand même. Comme bien. Le manuel d'AMC, j'en ai pas besoin. Hop là et hop là. Sinon, pour ce qui en est de mes cours de demain, demain on est mercredi, parce que du coup la vidéo elle sort demain. Très intelligent, Chanine. J'ai peur. Vous avez vu l'évolution de mon état d'esprit. Donc j'ai ramené ma petite tablette au lycée, j'espère qu'elle est pariée, parce que j'ai une pote, elle.
elle était dessus, mais elle n'est pas, enfin, je sais pas, quand c'est une tablette, logiquement, tu n'appuies pas dessus. Elle appuie à donf avec mon stylet, j'étais... Heureusement, il n'y a rien, donc hop là, petit stylet Apple. Heureusement qu'ils se mettent comme ça, genre, ils se... Ah, donc ma tablette. Pourquoi j'ai des écouteurs, ok. L'histoire, on s'en fout, bon, là. Mon cahier d'art plastique, ça, j'en ai besoin. C'est pour le bac, donc j'en ai besoin. Il faut que je fasse... J'imprime aussi, je pense vraiment à imprimer les plans du projet d'art parce que ben, c'est pour le bac et ça. Un petit peu potentiellement. Bref, on va rajouter ce petit manual. Les démakes, la meilleure chose de mon vraiment. Ça j'en ai pas besoin. Je suis actuellement morte de l'intérieur. Vous trouvez pas ça? C'est trop mignon. Ouais, je l'ai eu à la Japan. Non, c'est mon père, il me l'a acheté pour. Quand j'étais justement allée à la Japan Touch, ouais. Et je trouve ça trop mignon, trop fan. Sinon, mon pyjama. Bah, lui, je l'utilise ce soir. Donc, potentiellement, il y en a encore une fois besoin. Ceci n'est qu'une hypothèse parmi tant d'autres. Moi, je suis team pyjama, mais je trouve ça incroyable, les gros pyjamas. Surtout que vraiment, l'été, j'ai les. Bon, comme tout le monde, dans les petites chemises, les petits trucs de nuit simples et tout. Mais l'hiver, les pyjamas énormes comme ça, mais c'est le feu. Genre, tu rentres chez toi, t'as déjà ton petit pyjama tout beau, enfin tout beau, ouais, pas forcément beau, mais t'as capté. Sinon, j'ai celui-ci aussi, il est pas mal, on va le ranger dans le coin. Et les grosses chaussettes, celles-ci, elles viennent de Calzedonia, elles sont belles en marron. Et ça, c'est les meilleures, les énormes d'hiver, on est d'accord, on est bien dans le mood de Noël, sauf que Noël s'est passé. Genre, vraiment, quand tu passes de la transition de Noël au 1er janvier, c'est totalement différent. Vous savez ce que c'est? S'il y en a qui savent en commentaire, dites-moi, ce sont tout simplement les petits coussins chauds. Tu mets au micro-ondes et c'est un coussin qui te chauffe. Puisque j'ai pu l'exprimer sur Instagram de manière très franche que moi, mon corps ne supporte plus le froid. C'est-à-dire que le froid m'a détraqué mon système digestif. C'est-à-dire que je ne pouvais plus digérer. Donc pendant 24 heures, impossible pratiquement de manger. J'étais... Je sentais tout ventre, genre, il y avait encore la nourriture, mais ça faisait au moins 10 heures que tu avais mangé. Donc au bout d'un moment, pas déconner. Donc mon corps m'a lâché en... Bah, il y a pas plus tard que hier encore. Genre hier et avant-hier, c'était horrible. Là, ça commence à aller un peu mieux parce que hier soir, je suis rentrée. J'ai mis le coussin chaud sur moi. Ça, c'est la meilleure invention du monde. Mon casque anti-bruit. Et non, ce n'est pas un casque Apple, je sais pas quoi. Non, non, c'est juste un anti-bruit. Ne pensez pas à spéculer dessus, s'il vous plaît. Ma Nintendo Switch. Parce que oui, Charline est une geek, pour ça vous le savez. Mais j'ai joué à la Nintendo Switch hier. J'ai joué à Animal Crossing pendant à peu près une heure. Dites-vous, ça n'est pas arrivé depuis août. On est actuellement janvier, voilà. Que je fasse ça. Donc j'ai juste changé 2-3 patterns et remis un peu à jour 2-3 petites choses. Mais j'ai pas fait plus, mais c'est déjà pas mal. Et j'ai encore mon ventilateur d'ordinateur qu'il faut que je monte à tout prix dans ma mezzanine puisque bah, c'est sa place d'habitude, donc je vois pas trop pourquoi il resterait ici. En vrai, ça, là ça a bien avancé. Mon sac pour demain, là aussi ça a bien avancé, je suis contente. Mon sac de cou, on va le mettre sur le petit bureau comme ceci. Le soleil qui c'est pour m'assassiner, je pense. Ça devrait même pas exister, le soleil qui... Ma tablette pour demain. Demain, je suis encore en pratique en art. Cette semaine, on fait exceptionnellement 2 séances de pratique, ce qui me rend heureuse. Puis la théorie, c'est tout de suite moins fun. Mais voilà, donc j'aime bien ce petit packaging. Mon ancien téléphone, est-ce que j'ai la batterie? J'ai 5%, c'est fun. Ah oui, peut-être que je range ça. Est-ce que je suis la seule à consommer tout le temps genre des vidéos sur Instagram en particulier, parce que j'ai l'impression que Instagram c'est les rois pour faire ça, de personnes qui ont un setup de fou. C'est généralement les asiatiques, genre vraiment les japonais, je sais pas, vous avez des boutiques de ouf ou des trucs tout cute, tout kawaii là. Et du coup moi je pète le seum parce que je vois ils ont des setups tout blanc, tout rose, pailleté, tout clair. J'ai vu, attends, comment ça s'appelait sur TikTok, les Vanilla Girls, je crois que ça s'appelle comme ça, je sais plus trop le nom. Des meufs un peu en mode, elles ont un setup blanc, brun et tout, et je me dis mais c'est un peu mon mode d'esthétique, donc vas-y quoi. Enfin, moi aussi je veux être une vanilla girl et je veux avoir un setup esthétique. La petite robe noire, c'est mon parfum du coup, qui sent trop bon. Toujours en mettre sur les vêtements, pas sur nous, pas sur nous, sinon c'est pas... Écoutez ce que je dis. Oh, mais dis donc, de la moulaga, ça on aime bien. Ouais, ce matin, je commence à me sentir et je me dis, ça pue. Je sais pas si c'était moi qui puais, puisque moi, j'ai pas beaucoup de monde, donc de base, 30 heures, je ne sens pas non plus beaucoup. Et j'ai jamais pué. Genre, je sentais comme ça, je me disais, ça pue. Je sais pas si c'est l'odeur de la glace. La classe, quand il y a tout le monde, ça peut se mentir, quand il y a 30 élèves de 7 piges, ça pue. Là, j'ai pas compris, donc je sais... Oh, c'est mignon. Mercedes, est-ce que on peut m'expliquer pourquoi les testeurs ils ne fonctionnent jamais? Ah mais je suis con, c'est pas de la crème, c'est du parfum. Ça sent la daronne. Ça sent la daronne avec du caractère. It's so strange, I don't know. Bref, vu qu'ici on n'a pas trop... Oh mais elle est trop belle cette bague, attendez. Je vais la mettre là-bas parce qu'elle est vraiment belle. Là.
Bref, ce qu'il y en est actuellement de ça, j'ai donc ces petites choses. J'ai des masques à charbon, je savais même pas. J'ai des lingettes démaquillantes à la pastèque. C'est incroyable. Je suis trop heureuse et ça, faut vraiment que je teste le masque lèvres cerise 95% d'origine naturelle. Mais c'est incroyable pour Charline. Il faut vraiment que je teste parce que ça ne peut que me plaire. J'ai aussi ce petit... Oh non, il est cassé ou quoi? Mon baume à lèvres préféré, il est trop beau. Donc voilà, voilà. Il y en est un peu de l'état des lieux de cet endroit. C'est un peu le point cosmétique, comme vous pouvez voir. Ici, c'est mascara, brosse à cheveux, les déodorants, les crèmes, les bijoux, rien. Là, on a encore des bijoux, les cactus, pourquoi? Les petits produits, et mon calendrier de Noël, de l'avant de Noël. Il est trop sympa, je l'ai eu grâce au coffre à fonfon, mais c'est pour Noël, donc je sais pas trop le mettre. Ici, il y a le Mac, l'ordinateur, tout ça. Il faut à tout prix que je remonte cette chose qui n'est autre que mon ventilateur d'ordinateur. Dites-moi, toutes les personnes qui ont un Mac Pro 2020, pardon, s'il fait autant de bruit que le mien, parce que c'est insupportable, j'ai envie de me tirer 6 balles dans le pied, potentiellement. Donc, c'est insupportable, ok? Mais quand je vous dis insupportable, c'est genre insupportable. C'est parti pour l'instant, galère à monter dans ma mezzanine tout ce genre de choses, puisqu'il faut à tout prix que je le fasse. Voilà une petite vue d'ensemble de ma chambre, donc plutôt sympathique. Le petit nounours. Aïe, aïe, minou. Ok, donc ici nous sommes dans ma mezzanine, aka le je n'y vais plus. Avant j'y allais tout le temps, avant je passais ma vie dans ma mezzanine, mais il fut un temps où Charline a grandi et ne joue pro Animal Cro, donc un peu abandonné, enfin cette idée, mais c'est pas habitude. Mais en fait de base ici c'est toujours le bazar parce que c'est là où je fais mes TikTok Animal Crossing, donc logiquement je parle d'Animal Crossing, donc bah j'en mets de partout. Ça c'est la belle époque, qui s'en souvient de ça, de la Nintendo DSi. Alors moi j'ai toujours eu une qualité comme ça depuis juin 2009, donc 2009, mais j'ai mis il y a quelques années, ça doit être en 2014, 2013, 2015, je sais plus, justement, j'ai pas les dates. Et les petits stickers qu'ils distribuaient à Carrefour avant, ils donnaient des petits cadeaux. Comme dans les paquets de céréales, avant, on avait des petits cadeaux et on voulait trop. Genre, t'avais des cuillères trop belles, Choco Pops, Coco Pops, je sais plus quoi. T'avais les trucs de foot, là, les petits trucs ronds où il y avait des billes dedans. Et s'il y en a qui savent de quoi je parle, parce que sinon, vous allez prendre pour une extraterrestre, c'est possible, mais je vous assure que je déconne pas. Hein. Ça a existé et ça existera encore. Allez Rena. Oh, si elle tombe Rena, j'ai pété un câble. Bon, ici ce sont mes petits que j'ai eu grâce à Alison. Elle a trop géré. Voilà, Alison qui a fait mes petites peluches, mon petit Raymond que je trouve. Enfin, bon, c'est une icône, clairement. Une icône à part entière. Ma DS 3D. Oh là là. 3DS, elle date. Elle date, date, je sais. Sinon, ici nous avons ma Nintendo Switch numéro 2. Donc, elle, c'est l'île où il y a Kalira, où il y a Shwiggy. Et cette île, bah, il y a un peu rien dessus, mais il faudra grave je la reconnais. Mais je joue pas dessus. Enfin, clairement. Tous mes petits jeux de 3DS. Oh, regardez comme j'étais trop mignonne à l'époque. Surtout que en dessous j'ai un ami qui m'a écrit salut t'es trop sympa je te kiffe, et aussi bravo les abos de la part de CC. Oh, c'était en 2015, genre j'étais pas trop chou et avant j'avais les dents grave en avant si vous voulez voir. Enfin, j'étais trop mignonne, j'avais, en vrai j'aime bien cette photo. Ouais, elle est belle. C'est moi ou genre j'ai une peau parfaite, genre la couleur de mes... Mais elle est retouchée la photo, c'est pas possible, genre littéralement ma peau n'a aucune imperfection et la couleur de mes yeux incroyable. Je pense que ça vient de la luminosité aussi et bah du fait que oui, enfin à 7 ans tu n'as pas une peau non plus catastrophique. À l'époque où j'étais en bonne santé mentale, et figurez-vous que ça existait à peu près. Ouais, ouais. Toutes mes cartes Amiibo, grave beaucoup. Ça, c'est mes petites télécommandes pour mes Switch, pour mes Switch, peu importe. Pour m'amuser avec mes luminaires, puisque oui, j'ai des luminaires. La télécommande qui fonctionne une fois sur quatre. Non, j'ai encore une pour Apple. Eh, dites-vous, ma mère, un jour, elle s'est dit, tiens, si je lui achetais sur Amazon une souris d'ordinateur, vraiment, mais c'est une souris écrite en japonais, en chinois, je sais même pas quelle langue c'est. Du plastoc, c'est de la grosse. Comment, pourquoi acheter ça? Ça, c'est bien. Cœur Apple officiel. J'étais à Japan Touch, je suis trop fan de ces petites choses faites par des artistes. J'ai encore un coin Apple, ça ne s'arrêtera donc jamais. Oh, j'ai encore des produits Apple ici. Moi j'ouvre un Apple Store quand est-ce que, enfin quand vous voulez. Ça c'est des trucs d'IKEA. S'il y en a qui savent ce que c'est pour poser son téléphone comme ça. Extrêmement pratique. Bon, je m'en sers pas actuellement. Encore un truc d'iPhone 8, c'est pas possible. J'en ai marre. Avant j'avais un drap noir, maintenant j'ai mis un drap blanc. Bon, c'est pas non plus ouf comme vous pouvez voir parce que c'est pas bien tendu. Et ma mère, elle a mis de la mousse pendant que j'étais pas là, comme ça elle fait bien des choses dans ma chambre quand je veux pas. Et elle a mis du scotch, c'est de la mousse pour pas qu'on voie derrière parce que ma mère la nuit quand elle dort, elle ne sait pas fermer ses yeux. Elle me dit à la lumière, je vois tout dans ma chambre. Mais tu fermes tes yeux, enfin je sais pas, c'est logique, mais pas pour tout le monde à ce que je vois, à ce que je comprends. Mon ancien calendrier de décembre 2021, mais là il est plus à jour. Mais bon, alors sinon, qu'est-ce qu'on a ici? On a le oh, dis donc, ça on aime beaucoup. Ça c'est encore fait par Alison, elle m'a fait un petit gyroïde, elle a géré la peluche. Qui a déjà eu cette peluche émotion? Ça de base, j'ai, bon, je le sais parce que c'est quand même connu. De base, c'était pour les personnes qui ont du mal à aimer leurs émotions, c'est par rapport à une certaine maladie, me se bêtise ou certaines pathologies. Genre, quand ils n'arrivent pas à verbaliser leurs sentiments, leurs émotions.
fond. Là, ils sont contents. Et là, par exemple, ils sont pas contents. Et donc, initialement, c'était fait pieuvre et tout. Donc, des petits squishmallows. Là, ce sont mes meilleurs. Quand je dis bien mes meilleurs, c'est mes Funko Pop. Celle-ci m'a coûté 30 balles, ok? 30 balles. Funko Pop, c'est trop cher. Mais il y a un petit rat qui l'a quand même acheté. Je dirais pas le nom, mais c'est moi. Plus grosse fierté, voilà. J'attends d'avoir le deuxième. Merci encore une fois à l'abonné qui m'a acheté sur ma wishlist Amazon celle-ci et celle-ci. Ces deux Funko Pop, je t'aime de tout mon cœur. Et ça, c'est moi lors de la dernière Japan qui a acheté ça. En vrai, je laisse toutes mes peluches dans mon setup, mais le truc qui me saoule, c'est que vraiment, j'y vais jamais. J'en profite pas de tes peluches, donc je suis déçue et triste, mais c'est pas grave. J'ai vraiment le Discord partenaire. Genre, ça te fait que je suis une grosse geek ou quoi? Si vous voulez le lien de mon serveur Discord, il est en description. Enfin, c'est Shine Cherries, on est partenaire Discord de un an et demi. Des petits mugs, des petits badges. Hop là. J'avais fait en décembre 2021. C'était pour. Oh, c'était l'époque des live Twitch. J'ai arrêté Twitch, je suis désolée. Enfin, non, je m'excuse pas parce que j'ai pas envie. Tellement fan, mais je m'en pas vu que c'est tout dans mon setup et j'y suis jamais dans mon setup. Sauf, je pense cet été, je vais grave y aller parce qu'il fait frais et ça fait du bien l'été quand c'est bien frais. Posez mon ancien casque. En vrai, ce casque fait très gadget. Genre, il est pas raffiné, mais il est bien, mais il est pas du tout raffiné. Genre, MD. Oh, ça c'est le drap que je vous disais avant, j'avais un drap noir, bah c'est celui-ci. Il y a grave un drap de magicien, mais c'est pas grave. La petite lettre de YouTube, en gros quand t'as 5000 abonnés, YouTube il t'envoie donc le trophée YouTube, mais aussi il t'envoie le petit trophée et la petite lettre. Donc c'est un petit peu écrit en tout le bateau qu'on a tous les YouTubeurs français. Et bah c'est écrit en français, heureusement qu'il y a écrit en anglais quand même. Ça aussi j'ai acheté à Japan Touch, je sais pas, genre je l'ai vu, j'ai flashé, ça a coûté genre même pas 7€, je trouve c'est pas cher pour ce que c'est. C'est fait, enfin c'est dessiné par la personne, donc c'est canon. Ma peluche licorne, j'aimerais trop genre avoir PC. En vrai j'aimerais trop avoir un gros setup qui coûte super cher, genre 2000€. Bon après ça a rien de dépenser autant pour rien, mais mentalement elle me dit PS dans le game, j'aimerais trop vraiment. Ici c'est le coin où je filme des vidéos YouTube de, bon très rarement, mais fut un temps en avril 2022, oui, j'en ai filmé pas mal. S'il y en a qui s'en souviennent, c'était mon petit lieu de recueillement des petites vidéos YouTube, j'ai beaucoup aimé. Tout mon montage, toute ma vie est basée sur mon lit, vraiment je dors, je vis, ma vie est dans mon lit. Donc voilà, là j'ai un peu rangé, je pense que vous voyez que c'est quand même légèrement rangé. C'est mon ventilateur d'ordinateur. Normalement, moi, je suis plutôt contente. Le lit, le fameux lit. Je vous en parle tout le temps. Je vous dis, ouais, j'ai jamais dormi dans ce lit, ok. Jamais je n'ai dormi dans ce lit. C'est affreux. Je ne sais pas dormir dans un lit. J'ai l'impression, j'y dors que dans un vrai lit. Bon, ce qui me paraît logique, mais quand même. Qu'il y en ait de mon dressing. Bon, alors, mon dressing, on va dire que ça s'est rangé. Alors, pas du tout. Mais sinon, c'est quand même relativement bien rangé. J'ai trop hâte de mettre cette robe verte que je trouve trop belle. Mais il fait beaucoup trop froid dehors, donc c'est pas possible. Soleil qui est en train de... Bref les copains, en tout cas j'espère de tout cœur que cette petite vidéo blabla ensemble, chill et surtout rangement rapide de ma chambre vous aura plu. Moi j'ai bien aimé, comme ça ma chambre elle est un petit peu rangée, j'ai passé un bon moment avec vous à discuter. Ce soir il faut que je fasse le montage de la vidéo, comme ça elle sort demain, j'ai plutôt hâte. Dites-moi en commentaire ce que vous avez aimé dans la vidéo, ce que vous avez moins aimé, rebondir sur certaines choses que j'ai dit, que j'ai pas dit, ça me ferait trop plaisir et je continuerai à filmer comme ça, de manière totalement instantanée, non prévisible, juste parce qu'il y a 3 rayons de soleil, c'est totalement possible. Je m'excuse, mais au moins je suis contente. Bref, pensez à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter, à la partager. Sur cette chaîne YouTube, l'objectif c'est qu'on ait les 100K, parce que j'ai déjà 2 chaînes YouTube à 100 000 abonnés, donc pourquoi pas une troisième. Mais bon, jamais 203 comme on dit. Sur ce, on se retrouve samedi à 10h30 pour une prochaine vidéo. Sur ce, chat, c'était Shine, The Cherry. Bisous, bisous.